Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Razès. Bonjour, Madame Elmansali Souaid, présidente de l'association ANIT, Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des personnes atteintes de trisomie 21. Notre association a été créée en 1992 par un groupe de parents déterminés à imposer cette frange de la population dans la société. À l'époque, ce n'était pas évident de les insérer dans des classes adaptées. Les missions, nos principales missions. Les principales missions, c'est prise en charge précoce, rééducation orthophonique, guidance parentale, insertion scolaire dans des milieux ordinaires, dans des classes ordinaires, préparation à la formation professionnelle. Nous avons pu hier exposer, grâce à M. Chalfaoui, dans les locaux de Frater Razès. Nous le remercions vivement, car nos enfants ont pu exposer et mettre en valeur leurs travaux. C'est un travail qui dure depuis des années, c'est un travail très dur. Vous savez que ces enfants sont certes différents, mais affectueux, donnant-leur la possibilité d'insérer la société. C'est le but de notre association. Je profite de cette occasion avec vos Saha pour lancer un appel aux autorités concernées pour nous aider et nous soutenir dans nos différentes actions. Et merci.